Bon, eh bien en principe maintenant, si on sélectionne tout ça et qu'on dit qu'il y a un contour d'une certaine couleur, ça devrait mettre un contour sur ses formes. Donc, par le nuancier, menu fenêtre nuancier, je vais aller mettre un contour gris. Est-ce que ça a fonctionné? Ouais. Ok. Mais maintenant, comment l'éloigner? On est censé appliquer un effet spécial sur le contour. Il s'est censé apparaître dans la palette Aspect. Pour ceux qui connaissent les effets spéciaux qu'on met sur les contours et les fonds dans la palette Aspect. Mais là, ça marche pas trop. Donc je vais annuler l'application de la nuance. Voilà, je suis revenu avec un contour inexistant. Voyons un peu si dans la palette Aspect, on peut ajouter un nouveau contour. Menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau contour. Et bien voilà, il est là. Le contour va être gris. Il y a plein de manières de faire ça. On peut aussi utiliser des groupes, mettre des choses sur des groupes. Mais tant que vous arrivez ici à mettre finalement un contour gris sur les feuilles, c'est bien. Alors le contour, ouais, il est là, sur chaque feuille. Si je clique à côté, je vois. Enfin, c'est déjà pas mal ça. Enregistrez le document si vous avez obtenu ça pour ne pas perdre ça. Donc vous voyez, c'est un truc bizarre. Hein. On avait toutes les feuilles sélectionnées. Si on mettait le gris directement par la palette des outils, ça ne marchait pas. Mais en utilisant la palette Aspect, en demandant d'ajouter un contour, ça marche. Il se met sur toutes les feuilles.